Ok, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo de Sono. Aujourd'hui j'ai passé une commande chez Thomann et j'ai acheté plusieurs nouveaux trucs de Sono, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, ce déballage qui reste d'être fort intéressant, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. J'aimerais faire une grosse dédicace à Jordan, donc tu te reconnaîtras, c'est un abonné qui m'a vendu cette chose, c'est la DMX Master 1 de chez Starville. Donc il me l'a vendu avec le rack, donc grand merci à toi, ça fait super plaisir. Vous aurez le lien de sa chaîne et de ses pages de réseaux sociaux s'il veut bien que je les mette en description si vous êtes intéressé par ce qu'il fait. Il fait aussi des vidéos de Sono, enfin il est un petit peu passionné, si vous voulez discuter avec lui, il n'y a pas de problème. Voilà, grand merci à toi et c'est parti tout de suite pour le déballage. Ok les amis, c'est parti, je me suis muni de mon petit couteau, j'espère que je vais pouvoir l'ouvrir comme ça, ça m'arrangerait. Donc le colis, il est un peu choqué par là, j'espère que rien est cassé à l'intérieur, ça m'arrangerait hein, vu le prix de ce qu'il a. Donc le colis il fait 16 kg, donc autant dire que c'est un truc assez lourd, mais j'avais oublié que Thomann c'était des agrafes et non pas du scotch. Hop là. Ah, c'est ultra lourd. Là, voilà. Je vérifie que vous voyez bien. Oui, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, l'habituel papier bulle. Voilà. Donc, je pense que vous voyez déjà un petit peu ce qu'il y a dedans. On va déjà commencer par le moins important. Là, on a un câble de DMX de 10 mètres. Et là, on a... les crochets, mais je crois que c'est encore pas la bonne taille, putain c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Des crochets, mais je me suis planté, c'est les gros, et ils sont trop gros pour moi, la structure moi elle est pas aussi grosse que ça. C'est chiant, bref, c'est pas grave. Et maintenant, on va passer au plus important. Là, j'ai un papier, la fameuse BD. Voilà. Et donc, le plus important, c'est ces choses-ci. Donc, c'est de lire MH100 de chez Starville. Donc, voilà. On va tout de suite faire le déballage de cette livre. Donc, manuel d'utilisation. Câble d'alimentation. Là on a la lire, mais par contre pour la sortir ça va être trop long. D'accord. Donc ça on va le dedans. On a le crochet pour mettre en dessous, pour attacher au crochet de structure. Et donc là, on a la bestiole. Donc qui est ici. Qui est même plutôt grosse d'ailleurs et qui est lourde aussi au passage.
Donc niveau qualité de fabrication, c'est pas ouf. C'est du plastoc. Mais ça a l'air d'être à peu près potable. Il y a pire. On a vu pire. Donc on va la poser. Et donc voilà, voir ensemble de près, donc je vous fais un petit aperçu. Donc on voit toutes les lettres de couleur. Voilà. Excusez-moi. Là on a les connectiques, des mix, les lingues de sécurité et entrée à LIM, sortie à LIM. Donc voilà. Donc voilà les amis, la DMX Master 1 que je vous parlais au début de la vidéo. Je vous ferai une vidéo bien spécifique. De présentation de ces deux trucs là. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine. Ciao ciao.